Le test Véroval vous permet de vérifier votre taux de cholestérol total de manière rapide, sûre et précise. Le test est simple. Vous avez besoin d'avoir les mains propres, d'une montre et d'une surface plane. Vous devez être à jeun pour la mesure de votre taux de cholestérol, donc ne rien avoir bu ni mangé dans les 12 heures précédant le test. Il est donc préférable de le faire au matin. Assurez-vous d'avoir bien compris le mode d'emploi avant de commencer le test. Déposez tous les composants de la boîte sur une table et vérifiez que tous les objets suivants sont présents. Un disque de test avec sachet absorbeur d'humidité, deux autopiqueurs, un pansement et un mode d'emploi. Retirez le disque de test de l'emballage sous film immédiatement avant la réalisation du test et posez-le devant vous sur une table. Tournez l'embout gris de l'autopiqueur jusqu'à ce qu'il se détache. Ensuite, faites deux tours complets. Retirez l'embout. Appliquez l'orifice rond de l'autopiqueur contre le bout de votre doigt propre et actionnez le bouton de déclenchement sans éloigner votre doigt de l'autopiqueur. Faites sortir une goutte de sang de l'extrémité de votre doigt. Veillez à ce que la goutte soit au moins aussi grosse que celle reproduite sur l'illustration du mode d'emploi. Déposez une goutte de sang sur la zone réactive du disque de test sans toucher celle-ci avec le doigt. En cas de besoin, appliquez le pansement sur le doigt. Déposez le disque de test sur une surface plane et patientez 3 minutes exactement avant de passer à l'étape suivante. Maintenez la petite languette au niveau de la face inférieure du curseur et, avec l'autre main, ouvrez-le en tirant avec précaution la partie supérieure du curseur. Vous avez maintenant 30 secondes pour tourner le curseur sur le disque en direction de la zone colorée dont la teinte et l'intensité correspondent le mieux à votre résultat. Le résultat est erroné après plus de 30 secondes. Le taux de cholestérol correspondant figure sous la zone colorée. Un taux de cholestérol de 200 mg par décilitre est considéré normal chez l'adulte. Si votre résultat est inférieur à 200 mg par décilitre, vous êtes dans la norme recommandée. Une valeur supérieure à 200 mg par décilitre est considérée comme trop élevée. Si votre résultat est supérieur à cette valeur, vous avez trop de cholestérol. Nous vous recommandons de consulter votre médecin pour établir un diagnostic définitif. Le résultat est non valide en cas d'absence de coloration verte de la zone réactive. Ceci peut être dû à une détérioration du film d'emballage ou de la zone réactive, d'un stockage inapproprié ou d'une erreur d'application.